Madame, Monsieur, chers amis d'OMSI 2, bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau let's play sur OMSI 2. Bienvenue sur la chaîne de Let's Pause, c'est Fanfa aujourd'hui pour faire votre chauffeur aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui sur Städtedreieck avec un Solaris Urbino 12 hybride en série. Allô, bonjour. Pour faire donc la ligne 86 sur son parcours un peu habituel. Donc nous sommes ici à Sprindorf Bahnhof, donc dans la petite périphérie de la Open Tal. Il me semble qu'il est l'heure gentiment que nous y allions, mais oui tout à fait. Alors on est parti et on va aller faire le terminus qui est quasiment fait, je crois, une ou deux fois par jour, qui est donc celui d'Altisforce. J'ai juste activé les flèches parce que c'est une ligne que je fais pas souvent. Et ouais, faut que j'aille à gauche. Voilà. Donc on va suivre en fait le terminus de... Oula, ça rame un petit peu. Voilà, c'est parfait. De Hagenbeckweg. C'est en fait un peu la direction qu'on prend normalement. Et puis en fait à partir de Hüttenstrasse on va faire un petit parcours un peu direct jusqu'à rejoindre la ligne 43. Donc voilà, très heureux de vous retrouver. C'était pas prévu que je vous retrouve si tôt en fait, mais les joies de la planification m'ont dit ah ouais, peut-être un petit let's play cette semaine. Hop là, ça s'appelle un trottoir très mal géré. Donc je vous le fais sur un service du lundi, ça devait être le 10. Tac. Pas que je passe l'arrêt aussi. Breslauerstrasse. C'est bien juste, je crois. Ouais, c'est juste. Hop là, ça rame un petit peu dans le secteur, je ne sais pas trop pourquoi. Le plaisir de ces rails de tram hein, qui sont à moitié dans la route et... On a une batterie pas mal pleine comme vous pouvez le voir, mais visiblement la montée ça lui faisait trop. Donc nous sommes aujourd'hui, j'ai fait le départ un peu rapidement parce que je vous ai pris un petit peu tard. Hop là. Attention, l'arrêt délicat. Voilà, c'est bon. Oui, j'avais vu des gens, c'est bien juste. Bonjour. Tac. Et donc nous sommes avec le véhicule numéro... 986 il me semble. Oui, tout à fait. Donc qui est donc un Solaris Urbino 18-4. On doit être sur la gauche. Ouais, il me semble. Et après on part sur la droite. Comme je vous le dis, je la fais très rarement cette ligne 86. Donc je la connais pas très bien. Oui oui, c'est juste 86. Hagenbeckweg. Sauf que c'est pas là-bas qu'on va. Hallo. Hallo, guten Tag. Voilà. J'ai pas regardé si on était à l'heure. Pardon. Ouais, c'est bon. Voilà. Un petit slalom pour le plaisir. Quelqu'un qui a d'ailleurs abîmé un poteau, là. Ça n'est pas moi. Zur goldenen Kuhle. Tac. Alors, petit rond-point, il n'y a personne, c'est magnifique. Hop là, très mal pris. Ah, voilà, comme ça. Voilà, ça devrait suffire. Pas très réveillé aujourd'hui. Allez. Le prochain arrêt est donc sous peine de culé, c'est bien juste. Ouais, c'est Golden Culé. Hop là. On a atteint 40 à l'heure, le moteur s'allume, mais on va freiner ici. Très mauvaise anticipation au niveau écologie. Un peu en vue extérieure, monsieur le petit garçon ne veut pas venir avec moi. Bon, bah tant pis pour toi. D'ailleurs, changer de vue ici. J'aime mieux la deuxième vue ici, voilà. On voit l'effort qu'on demande et le moteur quand il s'allume. Pas d'indication, donc on va continuer tout droit. Hüttenstrasse. Voilà, donc on va arriver en fait à l'endroit où on va se séparer de la ligne 86 classique, c'est-à-dire de quasiment tous les horaires. Hop là. Très sympa, comme il fait ça, son truc. Voilà. Tac, Hüttenstrasse. Toujours assez délicat de faire un arrêt coulé avec ce bus, puisque ben, à 2 km/h il prend le relais sur le frein non plus électrique mais à air. Je vais travailler un peu vu qu'on va accélérer. Voilà. Et là, je suppose... Voilà, on va partir sur la droite. Personne, c'est magnifique. Alors, je vous avoue que j'ai jamais fait cette portion-là. Hein. D'ailleurs, ça va être assez sport. Voilà, restez bien pour qu'il s'arrête. Voilà. Magnifique. C'est bien quand les AI coopèrent. Peu sur la droite là, voilà. C'est un petit chemin assez sport par ici. Comprenez pourquoi on vient pas souvent par là. Hein. D'ailleurs, j'irai vous, je pense que je vous mettrai un peu dans les détails le nombre de courses qu'il y a qui se font par ici, mais il me semble que ça doit être l'une des seules, du lundi au vendredi en tout cas. Alors, ici, on va aller sur la droite. Ah oui, pour ceux qui avaient vu mon premier let's play et qui savent que j'ai l'omni-navigation, je ne l'ai pas mis sur celui-là tout simplement parce que il n'a pas voulu coopérer. Puis j'avais pas envie de passer 20 000 heures à essayer de faire fonctionner ce truc. Donc bon, ma foi, on fait avec les flèches, hein. Je suis pas encore un ultra habitué des, de cette application, donc ça dérange pas trop. Et là, il me semble qu'on arrive gentiment à destination. Et oui, voilà. Ah ouais, c'est là. Oui, 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 tout à fait. Oui, je suis en train de me voir où est-ce qu'on est, en effet. C'est ici. Aussi terminus intermédiaire de la 43, oui. Voilà. Terminus, tout le monde descend. Il n'y avait personne qui voulait descendre. Alors, tac, on s'est fait... Ouais, un horaire très bien mené. Alors, je vais faire une petite coupure pour enregistrer cette feuille et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, c'est magnifique. On a une petite pause de 10 minutes. Donc, je sais pas en fait pourquoi je vous ai repris là. On va la faire. Je suis juste en train de me demander... Ah non, notre bus était déjà vide. En fait, on est venu ici pour rien. Ok, tout va bien. Alors, on se retrouve dans 10 petites minutes. Le temps qu'on fasse tout ça. Je vais juste couper la vitesse. Comme ça, il se met comme il faut. Puis on va prendre l'air vu qu'il fait pas mal beau. À tout à l'heure. Et voilà donc. Vous voyez donc cette magnifique livrée. Livrée qui a été faite par notre ami Xavier 13, que vous aviez pu voir dans un précédent let's play. Il se débrouille franchement très bien en livrée. Et ce style 4, donc vous ne méprenez pas, hein, c'est un Solaris Urbino 12-3 hein, pour le jeu. C'est juste qu'on lui fait une petite livrée avec le style comme il faut. On va d'ailleurs mettre notre girouette pour le retour. Ça doit être la 0 fiche. Alors, tac. Stadthausbrücke, ça part déjà bien. Est-ce que niveau arrêt, on est juste à l'Altizafort? C'est magnifique. Ok. Alors, on part maintenant. Donc, vitesse. J'avais pas serré le frein à main, c'est une inadmission. Je m'en sors avec mes boutons. Voilà, on est parti. Et on va à gauche directement. On va laisser lui passer. Voilà, c'est magnifique. Je ne sais pas s'il y a un arrêt de prise en charge. Voilà. Il nous laisse passer, c'est magnifique. C'est franchement sympathique ce petit service. C'est aussi une des choses bien de Städtedreieck, je trouve, c'est que justement on a des petits services un peu isolés comme ça. On n'a pas juste une ligne qui va d'un point A à un point B toujours en permanence. On va à gauche. Direction Sprindorf justement. Laissez machin passer. Ah, ok, j'aurais pensé qu'il m'aurait laissé passer. Ah, salaud. Pardon, espèce d'imbécile, voilà. Je vais être obligé de mordre la terre. Allez. Voilà, Est-ce que lui il passe aussi? C'est magnifique. Voilà, j'ai usé du moteur pour me dégager rapidement de la situation. On va dire c'est presque dommage qu'il n'y ait pas assez, y ait pas trop de monde. Parce que du coup le trajet sert un peu à rien si, si c'est à faire un rebroussement. Ah ouais, là on est obligé de partir à droite. Merci mec. Ah, j'aurais dû mettre le machin pour qu'il démarre, c'est pas grave. Et c'est un stop. On mise toujours ces stops dans MSI. Pas très flexible cet hybride pour le démarrage. Bien sûr, il y en a un qui arrive, qu'il était dans mon angle mort. Voilà, c'est parti. J'ai pas été très écologique, hein, on va dire, sur le départ, mais ça exigeait un peu un démarrage un peu sportif. La seule faiblesse de l'hybride, c'est que justement quand on part, il n'est pas toujours très flexible. Personne à l'arrêt. Bon. Ah, je vois rien. Trois petites hélices. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Ouais, oui, il y a. Et du coup, j'ai dépassé le feu. Je suis nul. D'accord, là, il n'y a personne. Peut se mettre là et puis il me laisse passer, c'est magnifique, merci. Il avait peut-être déjà le rouge, je sais pas, mais et donc là en fait je vous ai fait un trajet d'un terminus intermédiaire à un terminus un peu spé. Puis là, on va revenir sur le trajet un peu normal de la 86, donc jusqu'à Stadthausbrücke. Là, ouais, on est en descente. On va quand même mettre le frein alors. Et on devrait y être dans un petit quart d'heure, ce qui fera donc une jolie vidéo, il me semble. Parce qu'on va dire un seul aller, ça aurait été un peu petit je trouve pour l'habitant de 6. Donc voilà, ça va bien le faire. Regardez, en électrique pour accélération. Et qu'on freine ici hein. Donc c'est un truc bien avec cette hybride, c'est qu'on peut bloquer en électrique quand on veut démarrer sec mais pas en moteur. Ce petit bouton Z2V qui est ici. Allô. Guten Tag. Guten Tag. Niveau horaire, on est comment? On est un peu en retard, donc on va pas s'attarder. Ouais, il est un peu gonflé, machin. Là. Le moteur prend le relais à 4,30. Bon, il tourne pas très vite là. On revient dans la partie un peu plus laggy de la map. Mais on va tout droit, donc ça devrait pas poser trop de problèmes. Galère. Ah ouais, il est très étroit ce rond-point. Là, le petit arrêt qu'on va faire devrait vous rappeler quelque chose. Parce qu'on était arrivé ici à gauche. Et on rencontre donc de nouveau la 62. Et la 41, hein, j'oubliais. On va dire surtout la 41, puisque la 62, il s'agit en fait d'un... un terminus prolongé, on va dire. C'est un terminus qui est après le terminus normal à Sprindorf Bahnhof. On est toujours un peu en retard, c'est parfait. Enfin, je me considère pas en retard quand je suis à... quand il y a un zéro devant. De toute façon, le retard, bah, ma foi, j'y peux rien. Hein. On peut rouler un petit peu plus sport, mais voilà, c'est juste pour l'avance, on va dire. Partir d'un arrêt avec plus d'une minute d'avance, c'est pas sympa pour les passagers. Une petite zone piétonne où on circule à 30. Breslauerstrasse. Pas oublier de passer l'arrêt sur ces véhicules. Hein. Allô, à l'huile. On va se refaire plaisir avec les rails là. Rester comme ça. Je vais rester comme ça. Sprindorf. Vous voyez d'ailleurs sur les petits écrans qu'on récupère l'énergie, hein. C'est le petit thermomètre d'en bas. Le chargement de la gare de Sprindorf va bon train. Merci les petits lags. Allez! Un peu tricky comme on dirait en anglais, donc un peu ouais, faux amis on va dire, ce rond-point, parce que vous n'avez pas le dégagement du porte-à-faux. Je crois qu'on est sur non, suivant, enfin le quai 1. Voilà. Parce que moi je suis un grand habitué de rouler avec les écritures rouges, hein, qui donc vous mettent immédiatement l'information, vous voyez ici, mais quand même pour le confort de visionnage, je vous le mets, je vous fais la vidéo 100. On est donc parti, nous sommes à l'heure. Et là, cette fois, nous allons donc monter. Allez, c'est parti. Et on arrive quand même à maintenir la vitesse. Bon, si on voudrait accélérer... Ah, on accélère même, je dirais. En électrique. Petit chargement de taille pour faire plaisir. Ah, les lags. Voilà, ça devrait être mieux. J'ai pas passé là. Ou bien si. Ah non, pas de Rogis. J'avais pas passé. Les petites suspensions. Allô. Allez, c'est parti. Sprindorf Rathaus. On arrive donc à l'hôtel de ville ou la mairie, hein, comme vous voulez, de Sprindorf. Le petit lac qui a fait pop les le frein à air. J'avais lâché la pédale à ce moment-là. Alors nous, on est... Ouais, on fait pas comme tout le monde, on continue. Ah mince. Là, donc la plupart des lignes, elles vont en fait par ici pour aller à l'arrêt dans ce sens-là. Puis nous, en fait, on fait l'inverse, on va directement tout droit pour après revenir à l'arrêt ici, pour après partir du côté loin là-bas. Une toute petite ligne, donc la 86, mais qui est fort sympathique à faire, surtout en hybride, je trouve, parce qu'elle elle convient bien avec ce véhicule. Sauf bien sûr la partie sur Altiselsforst, où là on doit foncer un petit peu, mais bon, c'est secondaire. Hein. Mais je préfère largement ça à un CNG, qui est l'autre, on va dire, qui est un peu l'autre affectation principale de la ligne. Après, je ne sais pas comment notre chef de dépôt de Städtedreieck, enfin de Rogis, gère son truc. Autrement, il y a Regio Forster qui a aussi des services sur la 86, mais on va dire, on vous avait déjà fait proposer du Regio Forster avec moi, donc le service spécial. Donc, et Rogis n'avait pas encore été représenté parmi nous Let's Play, c'est donc pour ça que... j'ai demandé, parce qu'en fait, là je suis dans une configuration d'un service disponible, c'est-à-dire que j'avais terminé mes services de la semaine. Vu que j'avais un petit peu de temps supplémentaire, j'en ai demandé un dernier, qui est donc notre jour de disponibilité. Et ça nous permet donc d'avoir un service un peu plus personnalisé qu'on peut demander. À se faire un peu plaisir. Bonjour monsieur. Hallo, willkommen, herzlich willkommen. Niveau horaire, on est bien. Donc c'est parti pour la dernière petite partie de la ligne. Donc là on se sépare de tout le monde. Toujours de lâcher avant 40, surtout quand on a un feu avant. C'est une autre manière de conduire ces hybrides. Parce que c'est un moteur électrique, hein. À pas confondre avec le l'hybride. J'ai cru que les deux feux étaient parallèles, mais non. Ah si, ils le sont quand même un petit peu. C'est vrai que je voyais pas trop la raison, mais bon. Peut-être le feu de droite. Voilà, je parle, mais je ne passe pas l'arrêt. On laisse descendre tout le monde, enfin ceux qui veulent. avec une personne visiblement. Et donc ouais, moteur électrique sans donc rapport de vitesse, hein, pas conforme avec l'hybride en parallèle qui a donc lui une vraie boîte de vitesse hein, quand on passe en, en mode diesel. Alors là, partie un peu plus vieille ville on va dire. Et on s'approche donc gentiment. Moi je trouve cette partie de la map extrêmement belle avec les trottoirs comme ça en pavé un peu couleur brique. Et puis donc voilà, il me semble que c'est notre dernier arrêt. Ouais, tout à fait. On aurait été bien à l'heure. Si la porte arrière veut bien se fermer. Là, les petits trucs de Städtedreieck qu'on aime beaucoup. Voilà. À 10, il vous soulève le bus brutalement. Stadthausbrücke, Endhaltestelle. En fait, je sais pas pourquoi je mets le Fahrtende, parce qu'en fait, mon collègue va enchaîner sur. Quoi d'ailleurs? C'est bon, la voiture passe. Je vais jeter un petit coup d'œil après le tournant. Ça s'appelle un trottoir pris avec un lag. Hop. Alors lui il va partir sur une toute simple, donc c'est 0,2. Voilà. Bim. Alors, donc à nouveau un horaire... franchement très bien, on a eu une minute à zur Golden Kühle, mais autrement tout s'est très bien passé, donc c'est magnifique, ça j'enregistrais tout à l'heure pour mon compte rendu. On va mettre en neutre, tirer le frein de parc, c'est magnifique. Et puis donc voilà, c'est donc ainsi que nous allons terminer cette vidéo. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu avec ces petits parcours alternatif. Quant à moi je vous dis d'ici la prochaine fois, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, un petit commentaire, et puis moi je vous dis à la prochaine. D'ici là portez-vous bien, allez ciao bye bye.